Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour le choc face à l'Atlético Madrid prévu ce week-end, Xavi Hernandez va devoir faire sans l'un de ses cadres. Pour le compte de la 15e journée du championnat espagnol, le Barça, 4e, reçoit l'Atlético Madrid, 3e, mais qui compte le même nombre de points avec 4 unités de retard sur le Real Madrid, leader. Un choc particulièrement attendu pour les Catalans qui restent sur un triste nul sur la pelouse du Rayo Vallecano. Seule la victoire comptera pour la bande de Xavi Hernandez, qui cherche encore à trouver son rythme depuis le coup d'envoi de l'exercice. Mais pour ce duel face au coéquipier d'Antoine Griezmann, les Blaugrana vont devoir faire sans un de leurs cadres déjà absents pour la réception de Porto cette semaine en Ligue des Champions. Selon les informations de la radio RAC1, Marc-André Ter Stegen, le portier allemand du FC Barcelone, sera trop court pour faire son retour dans les buts. Comme pour la Coupe d'Europe cette semaine, c'est Iñaki Peña qui devrait logiquement être aligné. Sa performance est forcément attendue dans un duel qui s'annonce comme être l'un des tournants de la saison. Une rencontre sous haute pression pour les Barcelonais de Xavi Hernandez qui peinent à enchaîner ces dernières semaines et qui n'auront pas le droit à l'erreur à domicile après la défaite subie lors du Classico le 28 octobre dernier. Voici les compos probables. La potentielle compo du Barça. Titulaire: Ter Stegen, Cancelo, Christensen, Araujo, Balde, Gundogan, De Jong, Pedri, Félix, Lewandowski, Yamal. Alors que l'histoire entre Joao Félix et l'Atlético Madrid a été momentanément suspendue depuis son arrivée en prêt au FC Barcelone, celui-ci devra, sauf terrain d'entente trouvé, revenir chez les Colchoneros en fin de saison. Une éventualité qui ne devrait pas ravir l'attaquant de 24 ans étant donné ses efforts pour quitter les Madrilènes. Dans une interview accordée au média espagnol Movistar, Antoine Griezmann est brièvement revenu sur le départ de Joao Félix. Joao avait des moments durant lesquels il était très bon et travaillait très bien, mais il lui fallait être constant. À un moment, il en a eu marre et ne se voyait plus ici. Alors lui et le club ont fait l'effort pour qu'il puisse trouver une porte de sortie. Joan Laporta, le président du Barça, veut frapper deux gros coups lors du mercato hivernal avec l'espoir d'avancer les signatures de deux joueurs. Cet été, le Barça a réalisé des nouveaux tours de magie sur le mercato. En dépensant un peu plus de 3,5 millions d'euros, les Catalans ont réussi à enrôler Ilkay Gundogan, libre, Inigo Martinez, libre, Joao Félix, prêt, Joao Cancelo, prêt, et Oriol Romeu, 3,4 millions d'euros, tout en validant la signature de la pépite brésilienne Vitor Roque pour 40 millions d'euros. Le chèque ne sera encaissé qu'au moment où le joueur posera ses valises en Espagne. Ce qui pourrait d'ailleurs arriver dès le mois de janvier grâce à la blessure de Gavi, victime d'une rupture des ligaments croisés. Des transferts officiels cet été? Passé l'énorme coup dur Gavi, le club a forcément dû repartir de l'avant, et espère désormais réaliser de nouveaux gros coups, comme le révèle aujourd'hui Mundo Deportivo. En effet, les Catalans aimeraient pouvoir lever les options d'achat de Joao Félix, Atlético Madrid, et Joao Cancelo, Manchester City, les deux hommes s'étant rapidement imposés comme des cadres quasi indispensables au bon fonctionnement de l'équipe. Le but de Laporta est de les signer définitivement cet hiver, car le président estime qu'ils vont continuer de performer cette saison et que leur valeur marchande ne sera que plus haute cet été. Les dirigeants barcelonais sont persuadés que les Portugais veulent poursuivre l'aventure, mais il faut désormais trouver un accord avec les Colchoneros et les Citizens. Les Madrilènes valorisent leurs joueurs à 80 millions, le Barça espère négocier à 40 millions, tandis que les Mancuniens en espèrent 25, le Barça 15. De quoi promettre des négociations ardues. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.